Et l'accélération, en 15 ans, on assiste... C'est le thème, d'ailleurs, du livre de Fourastier sur les 30 glorieuses. Moi, je m'intéresse aux 15 dernières années des 30 glorieuses. Ouais, – voilà. bon. Eh bien, le pouvoir d'achat est multiplié par deux, deux et demi. Les changements euh, dans, euh, sur le plan économique, les, les modes de vie, euh, se passent sur un temps extrêmement réduit à une vitesse inouïe. inouïe qui renvoie, d'ailleurs, et, et, et c'est ça qui fait sens à, à cette phrase de Thibon, l'accélération continue est propre aux chutes, jamais aux ascensions. Jamais aux ascensions. Et on a, cette espèce d'entropie, là, qui, on se dit, moi j'ai vécu ça, c'est ma génération, celle des baby-boomers qui est responsable de tout ça, c'est elle qui va en compte, compte devant l'histoire. – C'est ça, j de la responsabilité et de la génération mais écoutez, mais du mais moi, moi j'ai créé la copolette Nanterre en 67, à Nanterre, avec un oui. certain nombre d'amis, ils ont été les premiers à, à nous opposer, à résister à, à ce qui montait, et on voit bien ce courant libertaire, alors, on n'identifiait pas les choses avec autant de clarté, mais on voyait bien à quoi ça renvoyait. Et ce cycle libertaire est en train de se terminer avec la demande d'autorité, mais plus que d'autorité, d'autorité. Hein. Euh, la, la tribune des généraux, c'était ça, mais ça va au-delà de ça. C'est pas l'autoritarisme, hein, c'est une autorité qui légitime le pouvoir, en Elle limite ex... l'exercice et lui donne un cycle de légitimité. Une gravité dans l'autorité. Voilà. Alors, donc. Euh, oui, oui, euh, euh, c'est en même temps euh, ce que Guénon a appelé euh, euh, l'avènement du règne de la quantité. Hein. Euh, c'est l'explosion des sciences humaines. Alors, les sciences humaines, les sciences qui résonnent sur le quantum, ils résonnent euh, sur la quantité. Euh, et quand on résonne sur le canton et eh bien effectivement on ne distingue plus euh, entre Madonna et la Madone, entre une centrale atomique et une cathédrale, entre comme Roland Barthes un poème de Baudelaire et un prospectus euh, pharmaceutique puisque ça devient le critère cette accélération, cette concentration sur ces 15 années n'a pas d'équivalent dans l'histoire, c'est une évidence et c'est pour ça que j'ai parlé de grands remplacements en détournant volontairement la phrase de Camus pour dire mais il y a un grand remplacement qui commande tous les autres. C'est le remplacement de l'homme sacré, l'homme religieux, l'homme éternel, cher H. Chesterton, par l'homme sans qualité décrit par Musis, c'est-à-dire l'homo economicus. L'homme réduit à ce qu'il consomme, comme marchandise et comme sexe. L'homme réduit, un bipède réduit à sa peau. Hein. Le philosophe euh, Redeker a inventé l'expression ego body, quoi. L'homme réduit à la surface de son corps. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette période est hasard, il y a aussi l'invention du corps avec tous les phénomènes de mode et de dénudement qui l'accompagnent. Le la bikini, le kini, les seins nus, euh, la déferlante pornographique, euh, l'image du nu euh, dans le cinéma qui est. Euh, qui commence à partir de 1956, le film de Vadim et Dieu créé à la femme avec Bardot, où là, euh, c'est plus le nu grivois, si vous voulez, ou académique, c'est la femme réifiée, réduite à, à son état de corps sexuel. Voilà. Hein Donc, la pudeur, oui, alors la pudeur, c'est une invention du patriarcat. Euh, sans doute du catholicisme aussi, ou même euh, de la tradition juive, euh, mais c'est un système de défense civilisationnelle. Euh, D'abord, l'homme défendait la, la femme contre le regard et les pulsions d'autrui, mais aussi contre ses propres pulsions. Hein. Donc, c'est un système de régulation sociale. La vieille pudeur va disparaître en 15 ans. Pudeur des sentiments, c'est le triomphe des émissions de mélie Grégoire, avec le discours sur soi, le débat goulis sur ce qu'on a, sur ce qu'on vit, etc. Et euh, la pudeur euh, sexuelle. On montre le corps, mais le corps réduit finalement à sa seule Dimension sexuelle. C'est ça, euh, Dieu crée la femme de Vadim, c'est ça, euh, La vérité, le film de Clouzot, le film de Louis Mal Les Amants. Euh, euh, et d'ailleurs, le pouvoir gaulliste qui vient, euh, qui, qui, qui s'incarne à partir de 58, c'est pas seulement un pouvoir de restauration politique, mais de régénération morale aussi, d'ailleurs. Il y a toute une politique de la censure euh, dans laquelle Malraux, en tant que ministre de la Culture, perd tous les arbitrages. Parce qu'on a conscience que ce média de masse qu'est le cinéma, la télévision en train de prendre place, forme formate les mentalités. Et donc, euh, on veut protéger la jeunesse, on veut, d'où les interdictions, moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins de 13 ans, euh, et malheureusement, bah, la création artistique essaye d'empêcher ça, mais le pouvoir gaulliste, là-dessus, est extrêmement ferme et va, pour quelques années, inventer cette machine à arrêter le temps, qui brusquement va être balayée par 68, et après, c'est la grande déferlante.